Salut à tous, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire quelques bricoles, mais surtout, on va mélanger et brasser les fosses. Je suis en train de prendre avec le Weidemann. J'ai reçu ce matin du fumier de poulet d'un confrère. Et puis maintenant je suis en train de le mettre avec l'appel du Weidemann donc dans le trou ici. Il y a un brasseur dedans, un brasseur ici. Puis je suis en train de brasser tout ça. Et on va aller voir, il y a dans l'autre fosse un autre ensemble. Alors je mélange fumier, c'est du fumier de poulet donc. Et je le mélange pour améliorer les éléments nutritifs dans mon purin comme ils sont assez faibles avec ce que j'ai parce que c'est surtout des eaux ménagères et tout ça et un peu des vaches mères. Alors je prends chez un confrère 3-4 bennes par année de fumier de poulet et donc vous avez vu ben, là-bas je vais vous montrer, il a fait un tiny place au mec de Weidemann et là il est venu vider. Là il est venu vider avec la remorque droit dans la fosse et maintenant je suis en train de brasser avec le deuil et puis la brasseur. Alors on va tout de suite regarder tout ça. On va le choper, on va essayer là. Ouais, ça on enlève à chaque fois un petit peu, c'est dur, c'est un gros tas donc voilà. On fait au fur et à mesure. Du coup, pour faire ça, on est parti avec le Weidemann et on y va tout de suite. Petit time lapse. Tout ça, on a tout mis dedans, les deux fosses sont, on a tout mis dedans, maintenant on va laisser brasser un coup et on passe à la suite. Alors maintenant que du moment que j'ai le tracteur qui est là pour brasser, je vais mettre ce bidon ici, c'est des algues, c'est pour améliorer les bactéries qu'il y a dans la fosse, donc pour que ça se dégrade mieux. Donc on va droit vider ça, on a deux bidons selon le dosage, comme il y a 350 m3.